Salut à tous, c'est Loris Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Drive Club. Donc je vais faire une petite course pour cette vidéo sur le circuit en Inde, un circuit je sais plus c'est quoi son nom. Donc comme j'avais prévu ici une nouvelle vidéo sur Drive Club. Non, je devais la faire plus tôt que ça, mais j'ai pas trop eu le temps étant donné que j'étais pas là. Donc ici je vais prendre la Lamborghini Veneno. Oui, parce que c'est un pack payant, mais j'ai acheté une carte de crédit pour pouvoir acheter ce pack. Parce que moi qui est grand fan de Lamborghini, si je peux pas les conduire, ça m'énerve. Donc j'ai déjà acheté un pack, mais j'ai plus assez pour acheter des autres packs parce que j'avais pris une petite carte de 10 euros comme ça. Je sais pas que les DLC coûtent aussi cher. Donc ici, petite course. Moi, Lamborghini Veneno. Ah je vois qu'il y a une deuxième Lamborghini Veneno. Et ça va pas être facile. J'arrive souvent à les avoir, c'est au freinage. Mais bon, après en ligne droite, il y en a qui sont plus puissants. Ah, je crois que je vais rattraper celui de devant. Eh ben la voiture de devant, je sais pas ce que c'est. Donc vous voyez comme je vous dis, j'arrive plus à les avoir au freinage. Merde. Et lui il veut pas se tirer. Hein. Ah voilà, ça y est. Donc j'ai réussi à le dépasser. Ouh, il me rattrape lui il est méchant. C'est étonnant que la Koenigsegg elle m'a pas rattrapé. Et merde, je suis parti dans l'air. C'est étonnant que la Koenigsegg m'a pas rattrapé parce que elle est puissante à mort. Par contre, pour les virages, c'est de la grosse merde. Ça glisse. Et lui, il essaie de prendre mon aspi, là, le salaud. Et il m'a redépassé. Non, non, il me redépassera pas. Attention. Super virage. Je crois que là, je les ai bien dispensés. Attention, dernier tour. Wow. En fait, je parle pas trop parce qu'en fait, c'est assez chaud de commenter et parler en même temps. J'essaie de vraiment me concentrer, après je ferai un truc un peu plus cool. Il n'arrive pas à me rattraper, tant mieux. C'est déjà une bonne chose. Ah oui, il a une seconde, effectivement. Allez, allez, allez. J'espère qu'il me rattrapera pas. Normalement, c'est bon. Voilà, donc j'ai gagné. Je suis trop fort. Tant mieux parce que c'est vraiment chaud. Ah, tour impeccable en plus. Voilà. Oh, niveau 3. Tant mieux. Voilà, donc comme vous avez vu, je suis déjà niveau 41. J'ai débloqué plein de véhicules. J'ai débloqué pas mal de véhicules. Ici donc je vais faire un petit chrono pour la vidéo. Donc je vais prendre le circuit ici et je trouve qu'il est assez stylé et il y a une bonne ligne droite. Par contre je sais pas ce que je vais prendre. Ouh, Ferrari, la Ferrari, je prendrais bien ça. Donc vous voyez, il me reste plus que la Ferrari 529 XX Evolution à débloquer. Qu'est-ce que je vais prendre, je sais pas. Je sais vraiment pas. Allez. Je crois que. Je sais pas. Je vais prendre la Ferrari 458 Italia. Je crois. Ouais. Je vais la mettre en jaune. Voilà. Et donc ici, voilà. Donc vous avez vu en dessous, en deuxième de mon classement, il y a Wawa. que je salue au passage et qui n'est pas là en ce moment. Enfin, qui n'est pas connecté à l'heure où je vous fais la vidéo.
Donc peut-être il se connectera après. Donc ici, je vais faire quelques tours de circuit. Donc moi je prends aussi de temps en temps ce circuit ici parce que je trouve qu'il est, il est pas mal. Et je glisse. Wow, c'est bon. C'est pas toujours évident et franchement. Wow, là je vais cogner. Faut ralentir. C'est bon. Donc moi je me mets saute en FPS, saute comme ça. Beaucoup en FPS je me mets. Mais moi j'aime bien. C'est ça, attendez. J'attends un freinage. Les disques qui rougissent là, c'est trop beau. Moi j'aime bien. Et merde. C'est rien, tu paieras la facture du poteau. Par contre, je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas plus de circuits. J'aurais bien aimé qu'il y ait aussi tous les circuits du monde, donc les circuits en Italie, les circuits en Belgique et tout. J'aimerais bien qu'il y ait tous ces circuits, c'est dommage, mais bon, en même temps, on peut pas choisir. Donc, je trouve que ça, c'est dommage. Après, bon, au niveau choix des véhicules, ça va, ils sont bien les véhicules. Wow. En même temps, c'est pas, il n'y a jamais un jeu qui nous convient parfaitement. Et il nous manque toujours un petit truc ou deux. Mais c'est pas grave, on fait quand même avec. Attention. Voilà. Par contre, je trouve que c'est dommage ici, je joue avec la manette. J'aurais bien aimé avoir un volant pour jouer avec ça. Mais le problème, c'est que j'étais l'autre jour au magasin MediaMarkt. Et le problème, c'est que les volants, ils sont très chers. Pour vous dire, le volant PlayStation, il est à 369 euros. Donc, ce qui n'est pas donné. Et si j'ai déjà du mal à m'acheter un jeu, alors ça, il faut pas demander. Ici, normalement, le prochain jeu que je vais acheter, c'est FIFA 16. Je vous proposerai des vidéos dessus. Avec mon avec soit en Ultimate Team ou soit avec des clubs normaux. Et qui dit club normaux, qui dit mon club préféré, qui est la Juve. Donc pour ceux qui n'aiment pas la Juve, eh ben tant pis. Moi je suis un grand fan, ça fait depuis tout petit. Donc ça fait au moins 12 ans que je suis fan de la Juve. Mais bon, en ce moment, on n'est pas à ça, on est aux voitures. Et donc ici, je conduis la Ferrari 450 Italia. Et l'année passée, quand j'étais en vacances, j'en ai vu une garée sur le port et elle était magnifique. C'était une rouge. Et sinon, pour ce qui est de voiture de sport, je suis déjà monté dans deux Lamborghini différentes. Une fois dans une Lamborghini Murcielago et une fois, il n'y a pas très longtemps, dans une Lamborghini Gallardo. Et autant vous dire que ça a de la gueule. Ça vous fait plaisir quand vous montez dedans. Vous vous dites, mais en fait, je suis dans un truc qui coûte cher, mais à la fois qui est hyper rapide. Et franchement, ça vous fait plaisir. Mais un truc pas possible. Et franchement, j'espère que vous aussi, vous avez eu la chance d'une fois monter dans une voiture de sport comme ça. Parce que je crois que vous aussi vous y étiez ravis. Moi, en tout cas, j'étais ravi, ça c'est sûr. Attention. Voilà, petit drift. Si on va freiner. Ce virage ici, il est très chaud. Et si vous accélérez trop fort, voilà, vous partez en tête à queue. Et moi, j'aime bien faire ça. Oui, donc ici je suis en manuel, hein, c'est un peu normal, je l'ai fait exprès. Et de temps en temps il y a des flammes. J'espère qu'elle va en faire. Ah ben voilà, elle a fait des flammes. Attention. Voilà, donc vous montez vraiment super vite. C'est une très, très bonne voiture, elle tient bien la route. Et franchement... pour vous dire, il y a des voitures qui tiennent mais vraiment pas la route. Par exemple, comme je disais tantôt, la Koenigsegg.
Franchement, elle glisse, mais c'est un truc de fou. C'est dommage parce qu'elle a, elle a vraiment une très bonne vitesse. Donc, je trouve que c'est assez dommage. Après, pour ce qui est le reste, par exemple, la Ferrari, elle tient vraiment bien la route. C'est étonnant. Donc, bah, ici, je crois que je vais arrêter. Je termine la vitesse de pointe. Voilà. Et je crois que je vais faire boom. Attention, on va voir tout de suite. Suspense. Et oui, effectivement. Donc, bah, j'espère que cette vidéo sur Drive Club vous aura plu. Excusez-moi si je n'ai pas beaucoup parlé, mais avec la concentration, c'est un petit peu dur. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo que je ferai soit sur Saints Row, soit sur GTA. Parce que j'avais enregistré une vidéo sur Saints Row, mais le problème, c'est que j'ai eu un petit problème, donc il ne me l'a pas pris. Et donc, bah, j'espère que ça vous aura plu encore une fois. Donc, bah, à la prochaine. Salut!